Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. On se retrouve aujourd'hui pour Minecraft en mode créatif Mario et Minecraft. En mode créatif Mario. Je voulais sortir. T'as cassé la vitre. Ouais. C'est abusé. Non, alors, on s'est un peu renseigné. Donc, merci à tous d'avoir. Pour la magnifique porte de l'Ender qui est tout pourri. Le voilà. De l'End. The Lander. On s'est un peu renseigné. Et en fait, sur Wii U et Nintendo Switch, il est impossible de faire un Ender, une porte de l'Ender en mode créatif. Du coup, on a regardé, il y a des youtubeurs qui ont fait des petits tests. Et en fait, ils étaient obligés de trouver le fort. En fait, on est obligé de trouver le fort. Si pour moi, ça marche pas. Aller voilà. Mettre les têtes, les yeux de... Et on a fait tous les tests possibles imaginables, donc non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ouais, ce voilà, n'est pas ça. C'est ça. Ne dites pas dans les commentaires, oui, mais non, c'est que... Non, on s'est vraiment renseigné, il est impossible en fait, de faire l'Ender, donc en fait... Enfin, la porte de l'Ender, donc en fait, il faut qu'on aille chercher le fort, qui nous permettra... Donc on va localiser le fort, parce qu'en tout cas, il est en dehors de nos maps, donc on va y aller en mode créatif, et puis après, on essaiera de faire un chemin pour y aller... En mode survie... Voilà, et du coup, si ça vous plaît toujours, ce petit let's play, faut pas hésiter à mettre des pouces bleus et des commentaires. Exactement. Voilà, donc bah on y va. Donc là, c'est les perles qu'il faut. Et je crois qu'il faut les lancer en l'air. Et là, ça retombe. Je sais plus ce qu'il faut faire. Normalement, il faut lancer des... Ah, c'est ça. Tu vois? Ouais. Là, ils vont tout droit. Donc c'est bon. Après, tu récupères. Tu lances. Et tu vois le truc qui monte et qui va toujours dans cette direction. En fait, il faut suivre la direction de l'œil de l'Ender. C'est vrai? Ouais, ouais. D'accord, bah on suit. Donc là, si je relance... Et au bout d'un moment, il ira en haut, donc il peut être sous terre, il peut être... Ah, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc on va faire ça, on va trouver la porte de l'Ender, la vraie. À la recherche de la porte de l'Ender. Tu sais, ça fait de la super... Ah, c'est trop stylé. Ça éclate. Donc c'est par là-bas, voilà. Toujours. Parce que si je mets là, par exemple, regarde. Si je reste là et que je lance par là... Ouais. Bon, en fait, ça va toujours dans le même sens, ah, en fait, oui, tu vois. Même si je lance derrière toi, je lance vers toi, il partira toujours dans le même sens. Vas-y. Bonjour. C'est bon, ils vont toujours tout droit là. Ouais, je sais. Franchement, il y en a toujours un, mais là, il va être vraiment, vraiment très loin, je pense. Tu penses? Bah, de toute façon, on va toujours tout droit. Hein. Ah oui, on est toujours tout droit. Ah oui, comment on se repère? J'ai la carte. T'as une carte? J'ai la carte. J'ai la carte. Ouais. Ah, bah, on n'est jamais allé. En bas. Ça se trouve, c'est pas si loin que ça. Hein. Ça se trouve, il y a un village PNJ ici. Ouais, ça serait énorme. Bah, s'il y a un village PNJ, on se lève et puis on va aller explorer. Alors, ça continue. Heureusement qu'on peut voler parce que à pied, t'imagines pas. En fait, ton œil il redescend, donc tu peux le récupérer, mais ça met 3 plombes quoi. C'est hop, tu vois, il redescend et tu peux aller rechercher. Oh, il y a des petits lapins. Bon, bah, on va te voir tout droit. Je te suis. Attends, mais je suis allé par là tout droit. Oh, mais il va être vraiment, vraiment très loin. Hein. C'est vrai? Ah, je suis descendu la dernière fois toujours tout droit pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Bah, on y va, hein. Toujours par là. Toujours par là. D'ailleurs, ça a changé parce qu'avant c'était pas comme ça, on le lançait en l'air et puis ça allait dans une direction, c'est un peu différent. L'animation était pas du tout la même. Ah, ça décale un peu. T'es sûr? Ouais, c'est plus tout droit. C'est un peu sur le côté. Ah, on va y arriver hein. Si on se rapproche, ça commence à dévier, c'est-à-dire qu'on se rapproche. Et au bout d'un moment, il va au-dessus de toi. Du coup, tu te dis. Bah, ah! 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 Vas-y. Bah lance-le. Il est là. Non. Oh pardon, excusez-moi. Il est là. Il est là. Par là, ouais. Non. Si, regarde. Si je fais ça. Oui, vas-y. Il tombe direct en fait. Oh ah, il est vraiment sous terre. Ah, attends, bah on va le trouver alors. Attends. Kim, elle est impatiente. Attends, mais on est où sur la carte? On est tout en tout droit. Faudra juste. Donc on est venu d'en haut. Attends, juste, viens là, viens en haut. On va faire une sorte de tour déjà pour savoir d'où on doit partir. On va faire une flèche. En rouge, comme sur les miniatures de YouTube. Alors voici comment faire une bonne vidéo et faire beaucoup de vues. Alors vous prenez un truc rouge. Et après vous mettez votre tête avec une tête ultra étonnée. Et après vous mettez prank, oh my god, ça tourne mal, il me tape. Et puis généralement vous aurez pas mal de vues. Voilà. Donc là, c'est par là qu'il faudra partir, c'est bon? C'est bon. Oh, il y a le cochon qui a compris. Cochon... Allez, vas-y, cochon. Va chercher. Bon, allez, on creuse. Attends. Je revérifie. J'ai pas de torche. Toi, il tombe et c'est là. J'ai des torches ou pas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose déjà? J'ai pas de torche.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bugué aussi le jeu là ou quoi? Ah non hein. On va jamais trouver les portes. Mais non mais je comprends pas, normalement il indique un château et puis tu creuses et puis tu tombes dessus et puis c'est un fort quoi. Avec des pièces. Il y a un tout. Fort, si tu veux trouver un fort sous une montagne. Si si ça peut être sous une montagne. Si ça peut être sous une montagne avec des murs. Bah mais là la montagne on va arriver au bout. Regarde. Donc le fort est ici, là, juste là, là, juste dans là, l'eau. Dans l'eau, là. Vous voyez, il est bien, hein, regardez. Dans c'est l'eau. Tout en non, bas. Mais c'est vraiment une grosse vague. Et non, je suis allé jusqu'au bout. Justement, j'ai mis de la TNT tout le long, là, tout le long de la colonne. Voilà, le fort est ici. Bah oui, il est ici. C'est la fin. Hallucinant. C'est la fin du... C'est la fin d'un... Le jeu ne veut pas qu'on joue. Le jeu ne veut pas qu'on trouve l'ennemi. Alors peut-être que... Mais pourtant, si, sur Mario, il y en a un en plus. Ou alors sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'en trouver un autre, quoi. Mais non, il y en a qu'un pour les consoles. Ah oui, c'est vrai. On a regardé, il y en a qu'un pour les consoles, c'est cool. Bah il a. C'est une pierre différente, non? Ah c'est bon! Tu l'as trouvé! Il était où? Je sais pas. C'est une blague! Il est là. Mais c'est n'importe quoi! Avec la TNT, ça l'a dit... Je t'ai vu! Oh, mais what, quoi? Mais attends, mais c'est pas possible. On est dans le fort. Il m'indique plus rien. Si, regarde! Il m'indique en bas. Ouais. Comment tu voulais le trouver? Il était dans un rayon pourquoi énorme. Oh mon dieu, on a mis 3 plombs pour le trouver. On a enfin... En plus, on est... en plus c'est beau parce qu'on a l'entrée. Ça y est, on a enfin trouvé. Donc là, faut fais trouver... Fais gaffe parce qu'il y a un... Bah voilà, tu t'es fait coincer. Attends. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le l'ender. On va reconstruire le château. Bon, explorons. T'es où? Non, mais attends, suis-moi. Non, mais là, c'est un bug. Faut vraiment qu'il y ait que des pierres comme ça. Je refais. D'accord, bah faut passer par là. Et bah dis donc, on a trouvé. Et bah c'était ultra complexe, ouais. On a même relancé une autre partie. C'est grâce à moi, hein. Vous avez pas vu, mais on a carrément relancé une autre partie pour tester, on l'a pas trouvé. Enfin, ouais. C'est... Oh là là, mon dieu. Ça fait peur, hein. Il y a une porte dans le vide. En plus, il est bugué, il est trop mal conçu. Je suis là, hein. Je veux bien des pierres. Mais par là. Bah tu cherches. Il y a une porte. Il y a une porte fermée. Ouais, faut pas la péter du coup. Non. C'est la triche. Bah ouais, mais du coup il est complètement pété le fort là. Ah non mais il est... Ah ouais mais attends mais il est vraiment... Là tu vois il y a un bouton. Là, du ah coup oui. Ça l'a pété. Parce qu'il n'y a plus de sol. Oh là là. Bon on va casser parce que là faut voir... On va essayer de trouver le truc. Il manque plein de trucs. T'es où? Je suis au-dessus. Je suis là. Il manque plein... Bah oui mais allez, en même temps il manque tout plein pété, plein de trucs. Non, non, non. C'est qu'il est mal conçu. Ouais je pense. Parce que... D'où est-ce que tu veux que ça vienne là mon... Oui, ma TNT vrai. Ah non, c'est qu'il est super... il a mal spawn. Là, attends, il y a une porte. Ah, bah, ah non. Oh, un coffre. Un coffre. Oh, une arme à grenouille. Attends, je vais juste prendre des... comme toi, des torches. Des torches. On explore le fort. Ah, il est au-dessus. Il est au-dessus, t'as trouvé? Mais, me referme pas la porte au nez. Je peux fermer la porte au nez? Mais non, la porte, elle me ferme la porte au nez. Voilà. Il y a un autre coffre. Il y a une pomme. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut descendre. Faut descendre, ouh. C'est toujours bon si on descend. Explorons le fort. Moi, ça spawn. Pas le village PNJ. D'accord, bah là c'est un cul-de-sac, je pense. Oui. De toute façon, là-bas, c'est pas le fort. C'est pas le fort. C'est pas le fort. Bah là, on est revenu en haut. Faut trouver la porte de l'End. Hein. Moi je casse tout parce qu'il est complètement pété le fort. Ouais, il est nul. C'est un fort nul. Bah non, c'est bien, mais. Il est fort nul. Il est pété. Tu montes? Ouais. Je te suis, hein. Ouais, il y a plein de pommes et tout. T'es coincé. C'est un fort nul. Ouais, il est fort nul, je dis. On va juste trouver. T'as descendu? Ouais, ouais. Mais tu peux pas m'attendre. On va juste trouver la porte de laine pour savoir s'il y en a une, parce que là, je vais craquer sinon. Non mais vous avez vu, les murs, il y a des murs qu'on gêne en plein milieu. Cimer! Super quoi. Oh là là, et c'est là, c'est quoi? Et là, c'est quoi? Oh. Et voilà, on a trouvé le fort. Ah non! T'es où? Je suis au début. Non mais c'est n'importe quoi, c'est que le sol est écrasé. Donc j'ai bien fait de percer derrière, en fait, j'ai pas percé le bon côté, j'ai fait un côté mais pas l'autre. Attends. Tu remontes. Ah, faut que je remonte? Ouais.
Non mais c'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Non, il doit y avoir un truc qui descend ici, ou il doit y avoir vraiment de la brique. Bah tu es monté là. Non, je alors là, je vais essayer de refaire un truc, mais... Là, je suis là. Tu vois où je suis ou pas? Là, t'es là. Voilà. Allez, regarde. En fait, ici, il y avait un mur là-bas, j'ai essayé, il y avait rien. Oui. Par contre, j'ai essayé de ce côté-là. Et là, il y a un truc qu'on n'a pas exploré, c'est ça que je disais. C'est là? Bah là, on n'est pas allé. Faisons les trucs proprement. Ah, un coffre. C'est tout? Bravo, bon, t'as cassé le bouton. Hop là. Deux coffres. Deux coffres. Ah, ah une porte. Mais là, c'est un fort, on est d'accord. Là, c'est grand. Ah. 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 Il y a des vraies torches, j'ai la posée. Oh, ah là, on peut descendre. Oh là, attends. On peut y descendre grave. J'y vais. Ah oui. Bah là, par là. Oh, t'as trouvé. T'as trouvé, c'est ça. C'est ça. Oh yes. Avec un générateur de... Mais comme on est en créatif, y'a pas. Ouhou. Là, attends-moi, attends-moi. T'es descendu là? Oui. Mais non, je suis pas descendu. Mais regarde. Oh, trop stylé. Mais s'il était bien généré, ce serait stylé. Du coup, faudra que je casse le générateur. Bon, on va le casser. Voilà. Comme ça, au moins, quand on revient... Bah non, mais on va voir là. Hein. Moi, je dis, on va y aller là. Hein. On va y aller maintenant, là. Et là, si ça génère pas, je comprends pas. On aura tout fait. Oui. Oh, oh, c'est trop flippant. Ah, j'avoue, c'est grave flippant. Oh la vache, la tronche du truc, il est skinné oh et tout. Là. Oh, on dirait du vide. Ah, c'est ouf, on dirait le néant. Ouais. Ah, c'est trop bizarre. C'est bizarre, hein. On y va ou non? Bah ouais, non. Ouais. Bon, on a tellement galéré pour trouver le truc, alors... Ah, mais on y va en mode... Faut aller en mode survie. Il y a juste à aller tout droit. De quoi? Ah oui, pour y aller. Pour y aller. Ouais, on au pire, mais on creuse ce qu'on tout. Fait là, non, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on va, on, là, on finit, on va juste refaire tout l'escalier, tout, parce que c'est vraiment tout pourri, quoi. Ouais. On va refaire le fort. Non, mais là, on fait ça maintenant, là. Non, mais regarde, non, mais oui, c'est... Oui, on va refaire le fort, là. On refait le fort, et puis après, on ira en survie. On et se fait une réserve. Promis, on se le réserve. Au moins, essayez au moins une fois en survie. Ouais. Donc, faudrait vraiment qu'il y ait un escalier, bah, mais en fait... regarde. Mais c'est infinissable, le truc. Mais il y a rien. Tout est pété. Ouais. Tout est pété. Genre, il est complètement pété, le truc, quoi. T'as des murs, là, t'as un mur qui s'égène, je suis sûr, alors que c'est la fin... Non, c'est la fin du château, là. En fait, il génère n'importe où et il est complètement pété, quoi. J'avais peur au début, je croyais que c'était vraiment ma TNT. Non, mais regarde, la bibliothèque, même pas l'explorer. T'as une falaise qui s'est mise au même endroit. T'as une falaise plus la génération du fort en plein milieu. En gros, je mets des stickers pour dire c'est là. D'accord? T'es d'accord? Stickers. Bah, pour dire c'est ici. Ah oui, ouais. Tu vois, regarde. Plein de livres et tout. Des livres ensorcelés et tout. C'est par là, hein? Non, attends, oui. On a passé cette porte. Ah, je suis déçu parce qu'au final, on a mis 3 plombs à le trouver et en plus, il est complètement pété. Bah, j'ai mis des portes partout, moi. Enfin, 3 plombs, tout est relatif, hein. En vrai, si on avait fait en survie, ça aurait été impossible. Ouais, on aurait galéré, on aurait impossible. Baissé les bras, c'est pas possible. On aurait essayé en créatif sur notre map, on aurait fait, c'est pas possible. On va jamais trouver de portail de laine. En tout cas, il est très joli le portail de laine, hein. Même le portail est skinné, quoi, à l'intérieur. Là, du coup, c'est par là. Par là, par là... Je sais pas comment on est censé y aller à la bibliothèque. Ah là. Bah là j'ai fait des trucs. En vrai il est stylé mais oh là là. Je mets des trucs partout, comme ça on sait par où aller. Il est tellement pété, je suis triste. Oh regarde, l'étoile de Super Mario Sunshine. Super Mario. Oh là, regarde, en plus il y a tellement mal généré, regarde ce qu'il y a au-dessus là. Mais la lave. C'est mer. Ouais. Attends, ça se trouve, non? Bah non, je suis bête, c'est le portail d'Hélène. Ah oui. On va éviter de le casser. Comme ça, on y retourne. Parce que si on veut pas le régénérer. Dans le prochain épisode, on y retourne en mode survie. Bah on va déjà essayer d'aller jusque là-bas en mode survie. Faudrait faire des escaliers qui mènent... Ah, parce qu'ils sont... Oh. Faudrait non, faire mais c'est trop chaud. Ouais, faudrait faire un truc. Je suis triste, il est tout pété. Déjà, on n'a pas de village PNJ, notre fort est tout pété. Fallait casser des murs carrément pour essayer de passer. Ça aurait été stylé, c'était bien généré, ça, on aurait pu explorer et tout, mais là. En survie, on aurait trop galéré, on a fait, mais c'est pas possible, il y a un bug. Du coup, faut que je fasse des escaliers qui montent jusque là-haut. Bah, c'est pour rentrer ici, là.
C'est n'importe quoi, vous voyez. En fait, si j'avais pas creusé derrière, on n'aurait jamais trouvé l'entrée. C'est ça. Jamais. Jamais. Oh, je vais jamais y arriver. Hein. Je peux pas faire d'escalier, c'est impossible. C'est trop, beaucoup trop haut. Bah, si tu veux, tu fais les rails. Essaye de faire un chemin entre chez nous et jusqu'ici. Comme ça, après, à la limite, on ira dans le fort de temps en temps, ce sera marrant. Comment tu veux... Ah oui, là-haut, et tu fais les escaliers? Ouais, et moi je fais les escaliers. Enfin, je me débrouille. Comment tu veux que je me repère dans le... Je prends la flèche, hop, comme si on s'arrêtait à la flèche. Attends. Tu veux faire des lits pour qu'on dorme là? Pourquoi? Comme ça, on... ben, pour le jour. Ah oui. Reste appuyé sur le bloc. Ah oui. Ah, t'es parti, t'es en bonne unité de croisière. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai mon... Je vais tout droit. Hein. Ça va être le rail le plus long du monde. Le rail le plus long du monde. Eh, hey, je vais plus vite que toi. Et tu les mets les rails au moins dessus? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de temps en temps des torches pour se repérer au moins. Un peu. Je vais tout droit, hein. Je sais même pas où je vais. Hein. Ouais, t'inquiète. Bah, une fois, tu regarderas dans quelques mètres ton. Ma carte. Ta carte. On devrait créer un truc, super truc pour faire le fort et tout. C'est vrai qu'on voit de loin où est-ce qu'on arrive. Il n'y aura que deux jours. Pourquoi? Bon, parce que c'est trop, c'est super long. Pourquoi? On n'irait pas de nuit justement, c'est train de nuit. Bon, je suis où? Bon, bah, je suis toujours même pas, je suis toujours pas dans la carte. Oh la vache! T'es sûr que tu veux faire un train? Ouais, ça va être marrant. Ça traverse toute la map. Le train le plus long du monde. Est-ce que je suis dans la map? Je suis toujours dans la map. Une vache. Et on va mettre 15 minutes à aller d'un point à un autre. Hein. Ouais, mais au moins on pourrait y aller facilement et se repérer. Au moins on sait qu'il y a un trait qui ira de l'autre côté. C'est sûr. Je suis toujours pas dans la map. Ça, je vais faire une petite habitation et tout. Je vais dans le bon sens. Hein. Je vais dans le sens de la flèche. Oui, oui. Bah, de toute façon, tu peux aller que tout droit. Hein. Tu es dans le sens contraire, je ferais des... Quoi? Faut que j'en mette un sur combien des accélérateurs? En ligne droite, ça va. Si on peut avancer tout seul. Mais on va en mettre quelques-uns, je le ferai. Je vais juste déjà voir jusqu'où tu vas aller. Je sais pas où on fait ça. Je sais pas pourquoi non plus. Pour aller au pire, même si on fait pas de rail, ça nous fait quand même une ligne pour savoir où c'est. Oui, voilà, même si on fait pas de rail, au moins on sait où. Au moins, y a pas de monde qui vont spawn. Bah si, si on met pas de torche. Bah t'en as mis. Non mais j'en ai peut-être pas assez. Ah, je suis bloqué. Ah, c'est une blague. Enfin, faut que je dévie. J'arrive. Faut que je dévie un petit peu. Bon, pour l'instant, je vais mettre des torches. C'est bon, ça peut faire ça. Comme ça. Ouais. Je dévie, là c'est bon. Je vais reprendre mon chemin. Ah, le jour se lève. Regarde ta carte. Non, je suis toujours pas. Si, c'est bon, c'est bon. T'as découvert la carte en bas, si c'est bon, t'y arrives, après ça va être tout droit. Est-ce que je tente pas l'inverse, moi, pour aller plus vite? Je vais tenter l'inverse. Attends, t'es où, en hauteur? T'es à... Non mais attends, attends. Je vais voir jusqu'où tu dois aller. Oh non, je attends. Je vais me perdre. Regarde, oh les mini big creeper, tiens, bam. Oh les pauvres, ils vont y. Ils vont tous cramer. Ils sont mignons les creepers quand même. Plus il y a une bonne tête. Ah, bon, moi on a trouvé la porte de... Oh là, j'ai dévié. On a trouvé une porte de l'end. Bon, est-ce que j'avance au moins? Ah, c'est bon. Ça y est. Tu vas reculer. Je vais y arriver. Mais non, c'est quand même pas mal loin en dehors de la map. Ouais. Bon, je vais poser des rails. J'y vais. Tu commences? Ouais, parce que de toute façon, ça va être aussi long. Oui. J'espère que je suis au bon endroit. On va y arriver. Au pire, je ferai un virage. Bon, d'ailleurs, merci à Princess Peach pour son travail. Ouais. Maintenant, on va trouver un fort dans l'eau aussi. Oui, bah, hein. Ça, c'est stylé. Chou. Ah, je suis pas du tout au bon endroit. C'était là. Bon, tant pis. Recommence. Ah, je suis arrivé à ton coude, hein, en rail. Oh, bah, je suis arrivé à ton cordon, hein. Ah bon? Désolé de te dire ça. Non. Je suis moins lent après avec le coude. Avec le coude. La 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 la. Chalalalala, chalalala. On va y arriver. C'est très... Comment dire? Très...
très instructif comme travail. Tu vois, là, c'est bien, t'apprends plein de trucs. C'est très mécanique, mais il faut ça. Il faut. Ah ben non, mais c'est nous. Si on y va, on le ferait pas. Hein. On s'embêterait pas. On irait en mode créatif, en volant, on sauvegarderait. Voilà. Non, comme ça, là, au moins, on sait qu'on a un chemin. Avec des petites cartes, on va mettre des petites cartes à chaque côté, une petite garde de chaque côté, et puis voilà. C'est ça. On va faire un beau truc pour aller à la porte de l'Ender et dans un prochain épisode. Ouais, peut-être pas le prochain. Vous verrez. Oui, bah, on va améliorer déjà. Parce que là, sinon. On améliore, et puis si on fait pas en vidéo, les gens disent oui, vous avez pas fait sans vidéo, c'est dommage. Bah vous aurez en vidéo, même si c'est long par moment. Et tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait même faire au niveau du fort, quand on arrive, on devrait créer aussi un biome champignon. Avec du missile et je sais pas quoi là. Ouais. 2 secondes, hein. Qui m'avait concentré? Ah mince, ma vraie... Ah, j'arrive, non? Regarde-moi, est-ce que j'arrive? Ah ouais, t'es là-bas. J'arrive. Je te fais le plus dur. Lol. Là, il faut des rails propulsion par contre. Bah, tu mettras. Hop. Faut de la redstone. Bah, on s'en fiche, il y a des rails de propulsion qui existent déjà tout fait. Ouais, mais il faut quand même un truc pour l'activer. Ah oui. Bah, donc, soit un rail de détection de mouvement avant, comme on a mis. Haha ! Squala ! Je suis Mario ! Je pense qu'on devra mesurer en taille réelle combien de kilomètres il y a, ce serait marrant. Oh là, je pense qu'il y a beaucoup. Hein. T'es rendu où? Ouais! Bravo! On s'est réunis! Bien joué! Bon! Regardez la taille du bousin! On va quand même essayer de le tester, donc on va mettre des rails de détection. Regardez la taille du bousin! Des rails de activateur. Non, c'est rails de propulsion et rails activateur ou rails de détection, je sais plus. C'est un truc rouge. Je vais regarder ce qu'on a mis là-bas. Bah! Là, clairement, faut mettre un rail activateur et un rail propulseur. Et un rail normal et un rail là. Comme ça on reste en bas. D'ailleurs si je vais mettre un en plus en renfoncé. Voilà. Hop. Ah par contre là il casse. Voilà. Donc là j'ai fait là. Et puis là il va falloir propulser à mort. Hop. Allez propulsion, rail activateur. Rail de propulsion, rail activateur. Puis du coup, rail de propulsion de l'autre côté, faut en mettre parce que si on revient, ça va pas activer et ça va être embêtant. Faut que j'aille comme ça. Alors, rail de propulsion, rail activateur, rail de propulsion, rail activateur. Oh non ! Moi, c'est le plus dur, c'est la montée. Donc, je vais déjà faire la montée à fond pour être sûr de bien la faire. C'est parti ! Oh, c'était chaud. Mais ça passe. Bah ça on le fait en vitesse de croisière, sans accélérateur, mais du coup on met 3 plombes. Qu'est-ce qu'il faut? Pour faire accélérateur? Ouais. Il faut rail, là tu vas dans rail, tu prends rail de propulsion. Ouais. Et rail de détection. Et tu mets rail de détection, rail de propulsion, rail de détection. Pour que dans les deux sens il active, sinon ça va bloquer. Bah je fais dès que j'arrive au bout. Tu t'es tombé dans l'eau. Ça a fini là? Pas du tout. Non, c'est super long encore. Ah oui, c'est super long. Tu sais, c'est là la partie loin, tu m'as dit mais non, bah si. Quoi? Tu m'as dit non, c'était pas la partie loin celle-ci, alors que clairement c'est la partie non, je suis même pas au coude. Ouais, non, mais c'est super long. C'est vrai? Ouais. J'ai mis des torches juste au coude. Ouais. Bon, on va finir ça, je pense, hors vidéo, et puis dans la prochaine vidéo, on vous montrera ce que ça rend. Ouais. La rapidité ou pas, et la durée. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et tu vois, on pourrait même faire des aiguillages et puis descendre là, genre. Hop, tu descends par là et hop, t'as une de nos premières grottes. Oui, alors sinon on peut faire un parc d'attraction. Hey, un parc d'attraction. Attends, j'arrive. Ouais. T'arrives où? J'arrive vers toi. Bah, je suis en haut, tu me verras même pas. Si, j'arrive, tu vas me voir. Si tu vois deux rails de production et détection, c'est moi. Bah, je vais les tester. On va voir si ça passe. Vas-y, je t'attends. Je lance pas vite, hein. Tu vois, sans propulsion, je lance pas très vite. Hein. C'est rail de propulsion. Non, c'est le contraire. C'est rail de détection. Ça. Mmh. Ça. Chouchou, c'est Choupi le train. J'attends. Bonjour. Le train le plus lent du monde. Non. Non mais recule pas. Eh mais j'ai inversé du coup. Ma vue elle est inversée. Déjà que c'est long, alors si en plus tu... Choupi, choupa, choupi, choupi, choupi.
La 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 la. Je pense que ça fait chauffer la Switch. La carte est tellement longue à charger. Regarde au fond, je vois pas le truc. Ah, t'accélères là. Hey, t'as mis des repositions, t'en as mis un. Ah, j'en ai mis un. Ouais. Ouais. C'est moi au bout. Bonjour madame. Bonjour madame, tu vois, sans rallonge, j'avance pas vite. Hein. Ouais, va falloir en mettre. Bah dis donc. Bonjour. Non, non. Et c'est pas fini. Non. Voilà, notre magnifique début de train. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Kim. Allez, salut.